Je dirais d'abord que ce n'est pas une profession de foi. Mon propos est bien plutôt de justifier philosophiquement l'espérance. Or, il importe pour ça de distinguer celle-ci de toute foi positive. Et je dirais même en forçant peut-être le paradoxe de toute raison d'espérer. Car l'espérance, je dirais, c'est ce qui reste lorsqu'il n'y a plus rien à espérer. C'est une forme, et précisément une forme du temps. Alors, je ne sais pas, vous voyez par exemple les personnages de Beckett. Ils attendent Godot. On pourrait dire aussi bien qu'ils l'espèrent. Et Godot, bien sûr, ne vient pas. Et on peut dire en ce sens qu'en espérant Godot, ils n'espèrent rien. Mais cela signifie-t-il qu'ils n'espèrent pas? On peut lire la pièce de Beckett comme une mise en scène du désespoir, mais on peut la lire aussi bien comme une mise à nu de l'espérance, comprise précisément comme une forme du temps. Une forme distincte du projet. Voilà pour moi la distinction importante. Une forme distincte du projet qui nous voit ouverts au monde comme à un ensemble de possibilités dont la réalisation dépend de nous. Alors, je dirais très rapidement qu'il y a, à mes yeux, beaucoup plus qu'une consonance poétique entre la souffrance et l'espérance. Souffrir en latin se dit soufferre, et soufferre signifie indivisément subir et endurer. Mais comment endurer sans espérer? Le problème s'approfondit si l'on conçoit la souffrance, comme je l'ai fait à l'instant, comme l'effondrement du projet et comme la fermeture des horizons déployés par ce dernier. Alors, je pense en particulier ici à la souffrance mélancolique qui se donne pour la forme achevée du désespoir. Pourquoi, si c'est le cas, tous les mélancoliques ne se suicident-ils pas? Pourquoi se maintiennent-ils en dépit de tout dans l'existence? Ne faut-il pas que quelque chose reste possible quand tout est devenu impossible? Ne faut-il pas, autrement dit, que quelque chose demeure ouvert lorsque se ferme la temporalité du projet? Alors, il me semble que c'est l'interrogation que fait naître le cas de Bruno Brandt, qui est un patient dont parle Binswanger dans son livre sur la mélancolie. Ce patient mélancolique a l'intention d'aller se pendre dans la forêt avec ses bretelles. Et au moment de passer à l'acte, il voit passer une belette, un petit animal. Et il se dit, donne-toi le temps. Il attend quelques minutes, il constate que son intention suicidaire n'est plus aussi pressante, et il remet ses bretelles, puis retourne à la clinique où il était soigné. Alors Binswanger dit que pour la première fois depuis longtemps, Bruno Brandt a quelque chose a retenu l'attention de Bruno Brandt et lui a fourni un ancrage nouveau dans l'existence. Mais je me demande si c'est la solution ou si c'est l'énoncé du problème. Car le problème, c'est justement de savoir comment cet ancrage a pu être trouvé. Comment donc l'animal a pu jouer son rôle libérateur? Est-ce qu'il ne faut pas supposer pour cela que quelque chose était resté ouvert lorsque se fermait l'horizon du projet? Voilà précisément l'espérance. Alors je dirais en simplifiant pour distinguer l'ouverture de l'espérance de celle du projet que dans le projet c'est nous qui allons l'avenir. Alors que dans l'espérance, c'est l'avenir qui vient à nous. Ce qui explique que qu'espérer soit fondamentalement espérer d'un autre, espérer en l'autre ou espérer d'un autre. Je ne sais pas exactement quelle est la formulation la plus appropriée. Alors, il me paraît très important sur le plan thérapeutique de faire cette distinction entre le temps du projet
et le temps de l'espérance. C'est-à-dire considérer que quelque chose reste ouvert au lieu de la plus grande fermeture. Mais bien sûr, cette distinction faite, le problème demeure. Comment remplir la forme vide de l'espérance? Problème aggravé, dirais-je, à l'âge de la science et de la technique, car cet âge est aussi celui de la crise de la symbolisation, si l'on désigne ainsi l'ensemble des ressources dont nous disposons pour remplir ce vide.